et de véhicules. La réaction énergique des éléments du détachement avec le renfort terrestre et aérien international qui est celui des partenaires a permis de mettre en déroute l'ennemi. Les opérations de ratissage se poursuivent, le bilan provisoire est de côté ami. 8 morts, 33 blessés, dont 6 graves admis dans les hôpitaux de Niamey. 5 Toyota et un camion détruits. Côté ennemi, une cinquantaine de morts, plusieurs blessés emportés par l'ennemi au cours de son repli. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, félicite les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il adresse ses condoléances attristées aux familles des décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Signé Alkasm Ndatou, ministre de la Défense nationale. À l'Assemblée nationale, poursuite des travaux en séance plénière ce mardi matin, un seul point était à l'ordre du jour, l'interpellation du ministre de l'Éducation nationale sur les dispositions prises pour prendre en charge les élèves et les enseignants victimes d'insécurité dans les zones concernées à travers la construction des centres de regroupement sécurisés. Le résumé avec Jamila Amadou. Cette interpellation du ministre de l'Éducation nationale par le député Idi Ango Ousmane vise à informer les parlementaires en particulier et l'opinion publique en général de la situation dans laquelle se trouvent les élèves et enseignants victimes d'insécurité dans les localités du Niger entourées par des foyers de tension. Ce problème d'insécurité est très récurrent dans la région de Diffa, dans la région de Maradi, dans la région de Tawa et surtout dans la région de Tillabéri. Il y a vraiment des milliers et des milliers d'enfants qui sont vraiment victimes de ce problème dont nous posons vraiment des mesures très concrètes pour permettre de solutionner ce problème. C'est le cas par exemple des centres de regroupement. Ceux qui sont dans la région de Diffa, de Tawa et de Maradi sont effectivement fonctionnels. Et sur les 29 centres de la région de Tillabéri, il y a 7 qui sont effectivement très bien fonctionnels. Les autres, bien sûr, sont plus ou moins fonctionnels et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour les rendre effectivement tous fonctionnels. Et comme maintenant l'année scolaire est en train de finir, nous allons voir, nous allons profiter de ce temps effectivement de répit pour amener des corrections par rapport à tout cela, pour faire de l'éducation, bien sûr, le patrimoine qui sera partagé par tout le monde. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 se poursuivront ce mercredi 15 juin à partir de 9h avec deux projets de loi. Autre aspect de cette édition, le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, en partenariat avec la Société nigérienne d'informatique médicale, a lancé ce mardi matin à Niamey la plateforme de télémédecine sur les maladies de la peau et les maladies non transmissibles. Placée sous le haut parrainage de la première dame Hadis Bazoum, présidente de la Fondation Nour, la cérémonie a vu aussi la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le temps fort avec Ismaël Daoud et Souleymane Boubacar. Le lancement de la plateforme de télémédecine sur les maladies de la peau et les maladies non transmissibles, objet de la présente cérémonie, marque la volonté des autorités nigériennes pour le développement et la promotion de cette technologie en matière de prise en charge des malades. Ainsi, le recours à cette technologie permet non seulement d'accroître une collaboration entre les institutions sanitaires spécialisées dans divers domaines de santé publique, mais aussi d'échanges d'expériences entre les spécialistes et répondre aux enjeux de l'accès aux soins de qualité et la couverture sanitaire universelle. Au vu donc de son importance pour le bien-être de la population, la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a participé physiquement à cette cérémonie. Une présence hautement saluée par les responsables de la cellule d'appui au développement de la télémédecine. Professeur Touré Ali a relevé par ailleurs les efforts de la première dame Hadiza Bazoum à travers sa fondation en matière de l'amélioration des conditions de vie sanitaire de la population. Autre associé à l'organisation de cette cérémonie, l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Sa représentante résidente, Dr Anya Blanche,
a réitéré son appui constant dans la mise en œuvre de la santé numérique à travers le e-santé, une vision qui rend efficace l'environnement de la santé. La présente activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie nationale e-santé 2019-2023 et du programme Village intelligent de l'Agence nationale de la société de l'informatique ANSI et sera mise en œuvre par la cellule d'appui au développement de la télémédecine en partenariat avec la société nigérienne d'information médicale. La première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a pour sa part demandé à ses concitoyens de prendre soin de leur santé. Au Niger, le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles s'élève à 32,8%, affectant aussi bien les personnes âgées que les enfants au niveau de toutes les régions. En effet, certaines pratiques comportementales, notamment alimentaires, favorisent l'augmentation de ces maladies chroniques non transmissibles. Les maladies liées à la dépigmentation de la peau entraînent les mêmes effets néfastes sur la santé et surtout des ulcérations cutanées, voire le cancer de la peau, en plus des maladies courantes de la peau. En outre, nous avons été des témoins impuissants des effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19 sur les personnes atteintes de ces maladies chroniques non transmissibles. Mes chères sœurs, je m'adresse particulièrement à vous en tant que détentrice de plusieurs valeurs éducatives, culinaires et culturelles. Prenons soin de ce que nos familles consomment dans l'alimentation. Prenons soin également de notre santé. Faisons contrôler régulièrement notre tension artérielle, notre poids et notre taux de sucre. Ainsi, la plateforme de télémédecine lancée au cours de cette cérémonie va œuvrer pour que les citoyens aient accès à des soins de qualité et à des coûts raisonnables où qu'ils se trouvent. Parlons diplomatie à présent. Cérémonie de décoration au ministère des Affaires étrangères et de la coopération de l'ambassadeur de Turquie en fin de mission diplomatique au Niger. Ali Turker a été décoré au grade de commandeur de l'ordre de mérite du Niger. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ikita Mohamed Abdoulaye, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Adatou Bernazou. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République turque, son Excellence Mustafa Ali Turker, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre de mérite du Niger par le ministre de la Justice garde des Sceaux, Ikta Abdoulaye Mohamed, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. La présente cérémonie est non seulement une occasion solennelle pour saluer le lien d'amitié et de coopération qui existe entre le Niger et la République de Turquie, mais aussi pour marquer toute l'appréciation que les plus hautes autorités nigériennes ont tenue à vous témoigner pour l'œuvre gigantesque accomplie depuis votre prise de fonction en qualité d'ambassadeur de la République de Turquie. Monsieur l'ambassadeur, à travers l'organisation de cette cérémonie, nous avons souhaité exprimer publiquement la satisfaction du gouvernement et du peuple nigérien pour la manière avec laquelle vous avez accompli votre mission dans notre pays. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de votre pays auprès du Niger en 2018, vous avez pu contribuer efficacement à l'édification des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Monsieur Mustafa Turki Ari, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre de mérite du Niger. Un honneur pour l'ambassadeur qui n'a pas manqué de saluer le peuple nigérien pour son hospitalité légendaire. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Mohamed Bazoum, président du Niger, et son Excellence Hassoum Massoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, pour l'ordre du mérite du Niger qui m'a été décerné. Je suis honoré de cette prestigieuse distinction. Le Niger, un pays lequel j'ai servi avec un grand honneur
en tant que l'ambassadeur de la République de Turquie à Niamey, et son peuple occupe une place spéciale dans mon cœur et en Iran pour toujours. Je saisis cette occasion pour remercier personnellement, encore une fois, le président de la République, son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, et aussi présenter au peuple nigérien mes respects pour l'hospitalité. Honoré, Mustapha Ali Turker quitte le Niger avec le sentiment de devoir accompli et de bons souvenirs du peuple frère du Niger. Alors au Manga, c'est-à-dire dans la région de Diffa, le ministre de la Défense nationale a effectué une mission de travail dans la région de Diffa, objectif à encourager les éléments de forces de défense et de sécurité en poste dans la dite région, puis il a présidé une réunion sécuritaire avec les acteurs concernés. Le résumé avec Maria Maketa et Abdrahman Majiri. Accueilli par le gouverneur de la région Issa Lemine en compagnie des autres responsables régionaux, du commandant des opérations secteur 4 force multimix, colonel-major Maman Sani Tchao, et le commandant de la zone de défense numéro 5, colonel Abdrahman Abou Zataka, le ministre de la Défense nationale, après avoir passé en revue un détachement militaire, s'est aussitôt rendu à Jalori, village situé à environ 10 km de Diffa, où une position de la garde nationale du Niger a été attaquée samedi dernier. Face à cette belle riposte, des éléments de la garde nationale du Niger, avec le renfort des éléments du secteur 4 force multimix, le ministre Alkassoum Indatou, qu'accompagne le chef d'état-major des armées, le général de division Salif Moudi, le haut commandant en second de la garde nationale du Niger, colonel Idé Issaka, et le chef centre opération de la garde nationale du Niger, colonel Abdou Issa, a tenu au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, à transmettre tous ses encouragements et félicitations aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Au niveau de la SONIDEP également, le ministre s'est rendu pour encourager la position présente. À la compagnie de la zone de défense numéro 5, la moisson de la récente attaque a été présentée au ministre de la Défense nationale, Alkassoum Indatou, et sa délégation. Il s'agit d'un important matériel de guerre que nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont récupéré du côté de l'ennemi. L'instant d'après, une réunion sécuritaire a regroupé le ministre et les responsables en charge de la question. Une réunion au cours de laquelle il a été question de la mission de sécurisation des populations retournées. Restons à Diffa pour parler aussi de la sécurité dans le cadre de la supervision du programme de développement de 1000 éléments de la garde nationale pour la sécurisation des villages. Le gouverneur de la région de Diffa, Issa Lemine, était le week-end dernier au niveau des positions de ses forces de défense et de sécurité pour encourager les vaillants soldats. D'autres précisions avec Abdrahman Boukari. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le gouverneur de la région de Diffa, M. Issa Lemine, d'aller à la rencontre des éléments de la garde nationale du Niger engagés sur le front dans le cadre du programme de déploiement de 1000 éléments de la garde issus du recrutement spécial pour la sécurisation des villages, la lutte contre le banditisme, les enlèvements, le trafic en tout genre et la lutte contre la complicité dans toutes ses dimensions. Un programme initié par le président de la République, chef de l'État, M. Bazoum Ahmed, afin de créer les conditions d'une paix durable et partant assurer le retour effectif à des populations dans leur village d'origine. Et ainsi donc, de Jalori à Nguingimi, en passant par Garindogo, Gagam Kablewa à Nguingimi, le gouverneur de la région de Diffa, M. Issa Lemine, a au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, félicité et encouragé l'ensemble de ces éléments de la garde nationale du Niger pour le travail remarquable déjà accompli sur le terrain. Pour preuve, la riposte prompte et efficace dont les éléments de la position de Jalori, avec l'appui des autres forces, ont fait montre samedi dernier face à un groupe d'assaillants. À cela s'ajoutent d'importantes saisies opérées cette fois-ci du côté de Kablewa, des prouesses hautement saluées par le premier responsable de la région de Diffa, qui a dans l'ensemble de ses positions visitées exhorté ces éléments de la garde nationale du Niger à plus de courage, de bravoure, de détermination et d'abnégation face à la mission qui leur est confiée, et ce, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité déployées aussi dans ces zones. Un message hautement apprécié par ces hommes, dont le moral est au beau fixe, prêt à donner le meilleur d'eux-mêmes, de nuit comme de jour, mais aussi et surtout prêt à montrer leur suprématie face à tous ceux qui tenteront de les déstabiliser dans cette mission spéciale.
La suite de cette édition, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, Mahmoud Lewali Dandano, a présidé à Niamey un forum national sur les médias et la migration. Ce forum a réuni l'ensemble des responsables des organes de presse publics et privés qui vont échanger deux jours durant sur plusieurs thématiques liées à la migration. Le compte-rendu de Yazirabiou et Mahmoud Idrissa Maïga. Quels sont les enjeux et défis de la migration et surtout comment impliquer fortement les médias à prendre en compte dans leur contenu les différentes problématiques liées à la question. Voilà pour l'essentiel le sens qu'il faut donner à ce forum national sur les médias et la migration au Niger. Un forum organisé par le ministère de la Communication en partenariat avec la Commission nationale de l'UNESCO, ELISESCO, et l'Agence italienne de coopération et de développement. Les défis liés à la question de la migration devraient nous conduire à nous poser des questions essentielles sur les débats, parfois trop passionnés, qui caractérisent la migration. Les jeunes sont-ils suffisamment bien informés lorsqu'il s'agit de migrer en Afrique ou ailleurs? Ont-ils connaissance des droits conférés par le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dans la sous-région? Sont-ils au courant des risques et opportunités que présente leur projet migratoire? Qu'en est-il de la perception des communautés locales dans les pays d'accueil de la sous-région envers les migrants, les déplacés et les réfugiés? D'où l'importance majeure que revêt l'accès à une information crédible, diversifiée et de qualité, un droit qui renforce l'autonomisation des populations dans leur prise de décision en lien avec la migration. La tenue de ce Forum national sur les médias et la migration au Niger s'inscrit dans cette démarche visant à mieux informer la jeunesse sur les enjeux et les défis de la migration. L'UNESCO n'est pas à sa première action d'appui aux médias nigériens. Dans le cadre de ce forum, les journalistes seront formés et sensibilisés en vue d'accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de la migration et de son plan d'action. Fort de son mandat international sur l'accès à l'information et la liberté d'expression, l'UNESCO a fait le choix de soutenir le secteur des médias nigériens pour renforcer les capacités des professionnels des médias publics, privés et communautaires afin de mieux informer les populations locales à Niamey, en région sur les risques mais aussi les opportunités de la migration dans notre pays. Grâce au projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication, l'UNESCO et ses partenaires, avec le soutien de la Commission nationale nigérienne pour l'UNESCO et l'ISESCO, ont permis à plus d'une centaine de journalistes et animateurs radio, hommes et femmes, de produire des contenus éditoriaux de qualité sur des aspects de la migration. La question de la migration intéresse en effet à plus d'un titre l'Agence de coopération et de développement de l'Italie, l'un des pays d'accueil, l'une des portes d'entrée des migrants africains vers l'Europe, a rappelé le chargé de communication de l'agence. D'où la nécessité d'encadrer la jeunesse africaine sur les réalités de la migration, surtout lorsqu'elle est irrégulière. Dans l'AIRA, mission conjointe de haut niveau composée du ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire et le représentant de l'UNICEF au Niger. À son arrivée, la délégation a été reçue par les autorités de la région d'Agadez avant d'avoir une séance d'échange sur la coopération Niger-UNICEF. Le point avec Moussa Ifale et Mahamadou Dodo Souli. Cette mission conjointe de haut niveau conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Maman Ibrahim Aman, accompagnée par le représentant de l'UNICEF, vise à faire le suivi de la mise en œuvre du programme de coopération Niger-UNICEF, constater et viser les réalisations, les appuis, les défis et les attentes de la région d'Agadez dans le cadre de la coopération Niger-UNICEF. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a entamé son programme de visite par une réunion d'échange avec les acteurs locaux de la mise en œuvre de la coopération Niger-UNICEF dans la région d'Agadez dans l'après-midi. Une séance de travail a regroupé le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, les autorités régionales et les services techniques. À ce niveau, un document de 10 pages constituant la contribution de la région d'Agadez à l'élaboration du BDS 3 avec en toile de fond la situation des enfants, réalisation et défis des programmes de coopération dans la région d'Agadez a été amplement expliqué et détaillé
par le directeur régional de l'aménagement du territoire et développement communautaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau plan de développement économique et social, il est prévu de mettre en place des dispositifs opérationnels sur le terrain, au niveau des régions, au niveau des départements et jusqu'au niveau peut-être communal, qui va travailler autour du gouvernorat et autour du conseil régional avec l'implication de tous les services sectoriels. Et là, il y aura une implication de tout le monde. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, Mohamed Ibrahim Mohamed, accompagné par le secrétaire général du gouvernorat de Gadez, Alaja Tahir Adam, et les représentants de l'UNICEF, Stefano Savi, a visité un centre de transit et d'orientation des enfants en mobilité. Cette institution publique dont dispose la région de Gadez, fruit de la coopération Niger-UNICEF, a été créée en 2019, visite guidée des fonds en comble des locaux. Le centre dispose d'un système solaire performant en cas de besoin, de nouvelles constructions des salles d'écoute et d'accueil, des dortoirs, des hangars récréatifs. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire a été très attentif aux explications fournies par le directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfance, la situation des enfants, situation de vulnérabilité, des images poignantes retraçant les trajets et les risques endurés par les enfants non accompagnés et séparés, refoulés des pays voisins. Le ministre Mohamed Ibrahim Mohamed a eu des entretiens à bâton rompu avec des jeunes de 15 à 20 ans, réfugiés venus du Soudan, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et des jeunes filles de même nationalité qui reçoivent des formations en couture et restauration, entre autres, grâce à l'appui de l'UNICEF, qui, à travers son représentant, a annoncé, séance tenante, devant le ministre Mohamed Ibrahim Mohamed, d'apporter un appui en matériel au profit de ces jeunes filles en situation de vulnérabilité. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du don de sang commémorée le 14 juin de chaque année depuis 2004, le personnel des organisations du système des Nations Unies s'est mobilisé ce mardi matin pour donner le sang. C'est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a présidé la cérémonie. Le point avec Nafis Bademassi Bra. Institué par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2004, le 14 juin de chaque année est consacré à la commémoration de la Journée mondiale du donneur de sang. C'est en réponse à l'appel du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, qui a exhorté toutes les populations à donner de leur sang afin de sauver des vies et aussi de contribuer à ces gestes nobles, simples et essentiels que les organismes du système des Nations Unies se sont mobilisés pour donner du sang. Pour faire en sorte que chaque personne nécessitant une transfusion ait accès à du sang sûr, les pays doivent pouvoir compter sur des donneurs volontaires et bénévoles qui donnent leur sang régulièrement. C'est pour marquer cette célébration et apporter sa contribution à sauver des vies que le personnel du système des Nations Unies au Niger a décidé de se mobiliser. Grâce à notre engagement et notre mobilisation, nous comptons collecter aujourd'hui et les jours à venir plus de 250 poches de sang. Ces poches serviront à renflouer la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine et contribuer à sauver la vie. Cette journée initiée pour motiver les personnes qui donnent leur sang régulièrement à continuer cet acte salutaire et inciter les personnes en bonne santé qui ne l'ont jamais fait à s'y mettre et placer cette année sous le thème « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauvez des vies ». C'est le lieu pour le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales de remercier les organismes du système des Nations Unies, non seulement pour cet acte de solidarité, mais aussi et surtout pour l'appui technique et financier apporté par l'OMS au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, dans cette démarche. Ce geste de solidarité est organisé aujourd'hui par le système des Nations Unies pour susciter une prise de conscience accrue du besoin en sang et en produits sanguins pour la transfusion, mais aussi sensibiliser sur la contribution essentielle des donneurs de sang à la bonne marche du système national de santé. La participation et le soutien de l'État et de ses partenaires techniques et financiers
contribueront au retentissement de la journée mondiale du donneur du sang 2022, en montrant à tous que le don de sang est un acte de solidarité qui sauve des vies et que les services chargés de l'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs sont un élément clé de tout système de santé. Cette cérémonie du lancement de la campagne de collecte de sang organisée par les organismes du système des Nations Unies a été clôturée par ce moment solennel et symbolique que le don de sang. Ainsi, à travers cette caravane de don de sang prévue du 14 au 22 juin 2022, les CNTS collectera environ 250 poches de sang auprès du personnel de ces organisations. Et enfin, championnat d'Afrique sur 200 mètres. Sur 100 mètres au 22e championnat d'Afrique. Je suis un accueil d'une de son nom mardi après-midi à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Elle a été accueillie par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, assurant l'intérim de son homologue de la jeunesse et du sport. Je suis très content, je suis très heureuse aujourd'hui d'être accueilli par le monsieur le ministre, responsable de l'État et d'autres responsabilités aussi. Je suis très fier du président de sa félicitation. Pour moi, il m'a félicité deux fois. Ça motive aussi beaucoup de sportifs qui peuvent encore remonter. On aura plus encore. Et je le souhaite aussi. Félicitations donc à Aminatou Seni pour cette victoire qui honore tous les Nigériens. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.